Bonjour, j'espère que vous allez bien. We are doing exercises of lesson number 9 of Apprenons le français part 3. So our first exercise is donnez les ordres, suivez le modèle. Allez, what would be the conjugation of allez? It would be va for tu, allons for nous, and allez for vous. Prendre, it will become prend with tu, prenons with nous, and prenez with vous. Savoir is sachons, sachez. As we have seen, this is an exception. Finir, fini, finissons, finissez. Être, soit, soyons, and soyez. In negative. If it's ne pas demander, it will become ne demande pas. S will be taken off because ER ending verb. Ne demandons pas et ne demandez pas. Ne pas manger will become ne mange pas without S. Ne mangeons pas with E-O-N-S because in G-E-R ending we write E-O-N-S with nous. Ne mangez pas. Ne pas acheter. N'achète pas. Here there is an accent above E. Exograve. Because here I am not able to put the accent. So I could not. Ne achète pas. Ne achetons pas. Ne achetez pas. Ne pas voir. Ne vois pas. V-O-I-S. Ne voyons pas. Et ne voyez pas. Next is ne pas répondre. Ne répond pas. Here we will not remove S because it's RE ending verbs, not ER ending verbs. Only in ER ending verbs, we remove S with 2. Ne répondons pas. Ne répondez pas. Okay, and now pronominal verbs. Se lever will become lève-toi without S. Lavons-nous and lavez-vous. Se coucher will become couche-toi, couchons-nous and couchez-vous without S. Se habiller because these are ER-ending verbs and in ER-ending verbs we do not write S with 2. Habille-toi, habillons-nous, habillez-vous. Se laver. Lave-toi without S. Lavons-nous. Lavez-vous. Se promener. Promène-toi. Here there will be an accent. Accent grave. Promenons-nous. Et promenez-vous. Se réveiller. Again, ER ending verb. So again, we won't have S in with 2. Réveille-toi. Réveillons-nous and réveillez-vous. Ne se lève. Ne pas se lever. So here in negative sentences and pronominal verbs, te, nous and vous will come before the verb. Ne pas s'arrêter. Ne t'arrête pas. Ne nous arrêtons pas. Ne vous arrêtez pas. Ne pas s'amuser. Ne pas s'amuser. Ne t'amuse pas. Ne nous amusons pas. Ne vous amusez pas. Ne pas se raser. Ne te rase pas. Ne nous rasons pas. Ne vous rasez pas. Ne pas se lever. Ne te lève pas. Ne nous levons pas. Ne vous levez pas. Ne pas se coucher. Ne te couche pas. Ne nous couchons pas. Ne vous couchez pas. I hope you understood the pronominal verbs because these are little difficult. Okay, next, complétez chaque phrase avec la forme correcte du verbe savoir ou connaître. Nous savons préparer un gâteau au chocolat.
So where do we use savoir and where do we use connaître? So savoir is when the things you know by heart. And connaître when you know someone or some street, those are connaître verb. Meaning of both verbs is same, to know. Nous savons préparer un gâteau au chocolat. Savons. Vous connaissez bien les rues de Paris. You know well the streets of Paris. Sait-il le prix de cette voiture? Does he know the price of this car? Je connais le numéro de téléphone de Jacques. I know the phone number of Jacques. Tu sais à quelle heure Marie arrive aujourd'hui? Do you know what time Marie will come today? And next is remplacer le présent par l'impératif. Okay, for this I have a document for you. Okay. Remplacer le présent par l'impératif. Vous marchez bien will become marchez vite. Sorry. Vous marchez vite will become marchez vite. Tu choisis un fruit. Choisis un fruit. Nous appelons nos enfants. Appelons nos enfants because in imperative on we don't have the subject. Tu regardes la télé, it's ear-ending verbs, tu regardes la télé. So for ear-ending verbs, we will remove S from here, regarde la télé. Nous ne sommes pas en retard. Somme is an exception, it's être verb, so it would be ne soyons pas en retard. Vous faites le devoir, faites le devoir. Tu vas à l'école, again ear-ending verb, so S will be taken off. Va à l'école. Nous savons la vérité, savoir verb, sachons, it will become sachons. Sachons la vérité. Tu es dans la maison, être verb, so it would be sois dans la maison. Vous ne sortez pas will become ne sortez pas. Vous ne vous levez pas à 10 heures. Ne vous levez pas à 10 heures because here in negative, vous comes before the verb. Ne tu ne t'habilles pas avant 5 heures. Ne t'habilles pas avant 5 heures. Habiller verb, ear ending, so S will be taken off. Ne t'habille pas avant 5 heures. Nous nous levons tôt. Nous nous levons tôt. So here it will become levons-nous tôt. Levons-nous tôt. Tu te couches tard. Couche-toi tard. Vous avez du courage. It's an exception. Avoir. It will become ayez du courage. Please learn the exceptions well. Next is compléter avec l'adjectif démonstratif. What are adjectives démonstratifs? Adjectives démonstratifs are ce, cette, ces, cette. C-E-S-C-E-S-E. It's masculine. Okay, I tell you here. Here it's listening. Adjective démonstratif. Which are adjective démonstratif? This ce. C-E, sir. It's masculine. Masculine, right? And next is C-E-T-T-E. C-E-T-T-E, set. Set is feminine. And C... sorry. C-E-T, set. Set is used for masculine, but the word which starts with a vowel. And next is say. C-E-S-Say. Say for plural. So masculine, set feminine, set C-E-T, set plural, or before a vowel, sorry, say for plural. Now we see the exercise. Vous aimez cette chemise. You like this shirt. Chemise is feminine. So it would be set. Next is, say voiture sont grandes. Voiture is feminine but plural. So for plural we have only one word, say.
Ces voitures sont grandes. These cars are big. Cet hiver, il fait froid. This winter, it's cold. Hiver is masculine, but H is also considered as a vowel, so it would be cet. J'aime ce joli stylo. J'aime ce joli stylo. Ce, masculine, before stylo. I like this pretty pen. Mais ces assiettes et ces couteaux, both are plural, so it would be ces and ces. Sit, okay, put these plates and these knives. Yeah, keep these plates and these knives. Cette bouteille est pleine d'eau. This bottle is full of water. Bouteille is feminine. So it would be cette. Mettez ces légumes dans ce bol. Légume is plural, so it's ces. And bowl is masculine, so it would be ce. Keep these vegetables in the bowl. Je veux ces casseroles. I want these casseroles is plural, so c'est. Et cette cocotte minute and this pressure cooker. Cocotte minute is pressure cooker and it's feminine. Ce lac est très bon. This lake is very beautiful. Ce lac, lac is masculine. Ce croissant est délicieux. Croissant masculine, that's why we will write ce. Okay, next, complétez les phrases en utilisant les verbes donnés. Boire, to drink. Voir, to see. Se lever, to get up. Prendre, to take. Aller, to go. Finir, to finish. Ranger, to arrange. Balayer, to sweep. Rester, to stay. Penser, to think. Ma mère et ma sœur rangent le salon. My mother and my sister arrange the living room. R-A-N-G-E-N-T. Balayez-vous la maison? Do you sweep the house? Balayez. Allez vite à l'école. Go fast to the school. La mère dit aux enfants. The mother said to the children. Nous finissons le devoir en 15 minutes. We are finishing the homework in 15 minutes. Ils boivent du jus de fruits. They drink fruit juice. Boivent, boire verb. If you do not know the conjugation of these verbs, I have a video where you can see all the conjugations of ER ending, IR ending and RE ending. Je prends le bus à 7h30. Je prends, prendre. I take the bus at 7:30. Nous nous levons à 6h du matin. We get up at 6 o'clock in the morning. Je pense qu'il est malade. I think that he is sick. Il voit beaucoup de monde au supermarché. He sees many people in supermarket. Aujourd'hui, nous restons à la maison. Today, we are staying at home. Restons, ER ending verbs. And now, our chapter is done. We don't have anything else to do, I think. Let's check. Okay. Mettez les dialogues dans le bon ordre. Je vais cuisiner. Je vais cuisiner. I'm going to cook. Je fais une omelette. I make an omelette. Pourquoi achètes-tu des œufs? Why are you buying the eggs? Volontaire. Alors, aide-moi. So, help me. Qu'est-ce que tu veux cuisiner? What do you want to cook? Ah, c'est facile. Oh, it's easy. So, what would be the first dialogue? Pourquoi achètes-tu des œufs? After that, je vais cuisiner. I'm going to cook. Qu'est-ce que tu vas cuisiner? What are you going to cook? So, je fais une omelette. I'm making an omelette. Ah, c'est facile. Oh, it's easy. Alors, aide-moi. So, help me. Volontaire. Seventh.
Okay, it's listening, and this is the end of the lesson. And guys, please subscribe the channel if you like our video and share with your friends so that other can also take the benefit of this video. And merci beaucoup. À bientôt.